C'est parti, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que vous devez dire, Lydia? Qu'est-ce que je fais chez vous, déjà? Ah ben, vous êtes venu installer des lecteurs de disques, de vinyle, de CD, avec tous les appareils qui les complètent, et c'est extrêmement bien fait, c'est parfaitement fait. Et ça vous plaît. C'est le principal, c'est que ça vous plaise. J'en suis très contente, oui, j'en suis très contente, parce que les sons sont excellents. C'est un peu exigu, mais bon. Ah ben, c'est le côté exigu, c'est pas... Le monsieur, il a fait ça très très bien, il a fait ça comme il faut. C'est Manu, le monsieur. Mais Lydia, on a dit que peut-être... Peut-être qu'on mettra là-bas... réinstaller tout le système dans le salon. C'est un côté qui est plus grand. Voilà. C'est bon, pour l'instant, elle a une très mauvaise acoustique qui provient de l'entreprise de Truand qui a... Lydia, c'est pas grave. Vous allez acheter 2-3 tapis, mettre 2-3 tableaux contre le mur pour que la pièce résonne moins. Et puis comme ça, vous serez quand même mieux dans la grande pièce que là. Parce que là, dans votre bureau, c'est un peu petit. Mais bon. Après, si ça vous plaît, ça vous plaît, hein, c'est le principal. Oui, bon, ben là, c'est déjà pas mal, hein, on entend très très bien. Et vous disiez que... Les sons sont excellents. Par rapport à votre ancien système, ça sonne un petit peu mieux, apparemment. C'est mieux que mon ancien système. Bon, et donc, je vous ai amené quelques vinyles et CD. Oui. Que Maryse et Bru... Que Maryse et David vous ont offert. Ces gens-là, parce que j'avais à peu près une centaine de vinyles et une trentaine de CD, et ils ont brûlé. Alors je n'ai plus rien du tout. Ce sont tous les disques de ma vie que j'ai perdus. Et là, vous m'en avez rendu une partie. C'est très gentil et j'en suis très reconnaissante. Ben, on remercie bien Maryse et... Oui. Et David, de vous avoir amené ces deux droits, puis après vous viendrez au magasin, on essaiera d'en mettre de côté si on en trouve. D'accord. Je commence à connaître vos goûts. Hein. Ouais. Bah, Lydia, merci, puis profitez bien de votre système. Et puis je pense que le projet, ça serait bien de l'installer de l'autre côté. De toute façon, vous savez que vous pouvez me rappeler, et je viendrai avec plaisir pour vous le mettre. On verra ça. Bon. Ouais. À bientôt, Lydia. Alors. Oui, à bientôt et merci encore. Bah de rien, merci à vous surtout. Ça fait bien plaisir de vous faire du bien comme ça avec de la musique. C'est très gentil. Vous commencez à voir vos jambes qui bougeaient un petit peu tout à l'heure. Ça fait plaisir. Oui, j'en suis ravi parce que je n'ai pas l'habitude. J'avoue que depuis l'incendie de ma maison, je ne suis pas très bien concerné par les gens. Ça, je ne les intéresse pas. Bah si, regardez. Les personnes âgées par ici peuvent crever tranquillement. Personne ne leur dira rien. Personne ne s'occupera d'elles. C'est ce qu'on a fait. J'ai une lettre là, de la mairie. Vous pouvez la lire et je l'ai affichée. Bah, le principal, Lydia... Non, maintenant, j'ai quand même un monsieur qui s'occupe de moi de temps en temps. Alors, oui. Il faut que vous écoutiez de la musique. C'était votre vie, ça va vous faire du bien. Oui, je pense. Et puis, on se reverra au magasin. Ah oui, si on se reverra au magasin, ça viendrait. Si, mettez-vous. Dès que je pourrai, on viendra. Voilà, essayez d'avoir le projet, ça vous fera du bien aussi d'avoir le projet de mettre 2-3 tapis dans votre pièce, 2-3 petites choses contre les murs. Ouais, comme ça, ça me donnera l'occasion de revenir. Si je trouve des tapis, oui. Eh ben, on trouvera. Enfin, vous trouverez. Il y a jamais un monsieur qui venait tous les ans, il venait du sud-ouest de la France. Il était très très bien ce monsieur et puis malheureusement il était malade. Il se croyait, je pense, plus malade qu'il n'était. Il m'a dit qu'il ne viendrait plus. Alors j'étais vraiment attristé qu'il soit malade et attristé qu'il ne revienne plus. Et c'est vrai que cette année il n'est pas revenu. Il avait toujours les tapis que je voulais. On va vous en trouver des tapis. On va lancer un appel. Qu'est-ce que vous cherchez comme tapis? En deux mots, Lydia. Je cherche des tapis persans, des petits modèles et des modèles faits main. Voilà. Et on pourra en mettre contre les murs aussi. Notamment des Shirvans, des Daghestans. Bon, eh ben, on va voir. Enfin, des Caucasiens. Voilà. Et en musique? Parce que vous avez alors, aussi... En musique, c'est uniquement du classique. J'avais une collection de Requiem.
Donc, si pareil, si des super le classiques. Le concerto de Mozart. Le concerto de Mozart. Alors, je cherche le concerto pour clarinette de Mozart. Voilà. C'est le seul, l'unique concerto pour clarinette qu'il ait fait. Et j'aimerais bien l'avoir, surtout le deuxième mouvement. Et l'intégrale de la Callas. Et alors, je veux la oui, l'intégrale de ce qu'a chanté Maria Callas. Ah oui, parce que ça, Maria Callas, c'est. Je sais vraiment... qu'il existe, je l'avais acheté. Il existe un véritable carton qui est plein de CD. Il y en a au moins une vingtaine. Eh bien, je vous fais le pari qu'on va vous trouver ça. Ah ben, ce serait très bien. Grâce à la technologie de. Ça coûtait plus de 100 euros et je l'avais acheté à la Fnac. Eh ben on va essayer de trouver ça, on va bien avoir des infos. Si ça se trouve, ça m'étonnerait, il n'y en avait qu'un à la Fnac. Ouais, mais il y en a une occasion. Mais je pense qu'il n'y a pas longtemps que c'est sorti. Il y a une chose aussi, il y a deux choses, deux disques qui sont sortis. Il y a les quatre symphonies de Brahms qui sont sorties dans un CD. Et il y a une nouvelle Traviata avec Callas qui vient d'être remasterisée. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est une Traviata de Lisbonne. Ou d'Amérique du Sud, mais c'est une nouvelle Traviata. Okay. Alors là, ça m'intéresse. Allez, eh ben on lance l'info et on va essayer de vous trouver ça. Ah ben oui, c'est gentil. En attendant, bonne journée. Ben bonne journée et à vous aussi. À bientôt. Et merci pour les disques. Au revoir. Et merci pour le travail. Au revoir, Lydia. Au revoir.